Ce que je fais au Parlement européen, et évidemment mon action s'inscrit dans un cadre collectif qui est celui du groupe des Verts au Parlement européen. Nous sommes 55 élus verts de plusieurs pays, bien évidemment, et nous sommes le quatrième groupe politique au Parlement européen. Sachant que tous ces sujets de réglementation bancaire, financière, les bourses, les compagnies d'assurance, les fonds spéculatifs, toute la planète finance, en fait, c'est les règles qui les encadrent ou qui justement ne les encadrent pas. Eh bien, sont prises au niveau européen en codécision. Donc la codécision, c'est en fait la Commission européenne qui propose un texte, une loi européenne, qu'on appelle directive dans le jargon européen, et ensuite les États amendent la proposition de la Commission, dans le cadre du Conseil européen. Le Conseil européen, c'est l'instance qui réunit les 27 États, et nous, parlementaires européens, on amende aussi en parallèle le texte de la Commission. Donc ça part aux commissions, ensuite ça part au Conseil, en parallèle ça part au Parlement, et ensuite on renégocie la négociation finale entre les parlementaires, nous, et les États qui sont représentés dans la négociation par l'État qui préside l'Union européenne. Donc en ce moment le Danemark, à partir du 1er juillet Chypre, etc. Donc les diplomaties qui négocient avec nous sont les diplomaties de la présidence de l'État qui préside l'Union européenne. Donc ce processus est pas très connu en France, c'est pour ça que je prends 2 minutes pour l'expliquer. Et c'est dans ce cadre-là de négociation que se mène mon action, notre action de parlementaire européen. Et on a pris depuis 2009, le mandat que j'ai a commencé en juin 2009, on a pris plusieurs lois, plusieurs directives pour réencadrer la finance. Alors, c'est clair que on va pas assez loin, il n'y a pas photo. Nous, ça nous arrive de voter pour, ça nous arrive de voter contre à la fin, les nouveaux textes, mais globalement, il y a un mouvement de re-réglementation qui est en place, qui prend le contre-pied du mouvement de déréglementation qui avait commencé dans les années 70-80 jusqu'à la crise de 2008. Mais évidemment, on se heurte, et je vais en parler aussi, au lobby, on se heurte à la collusion entre les ministères des Finances et les banques. Et on se heurte à un certain nombre d'arguments que tu as commencé d'ailleurs à évoquer en disant si vous touchez au profit de BNP Paribas, en fait vous touchez à l'investissement, donc vous touchez aux emplois. Ah, si vous mettez en place une taxe sur la transaction financière, de toute façon on part à Hong Kong. Ah, si vous mettez en place une limitation sur les bonus des traders, on part ailleurs, etc., etc. Et donc c'est un certain nombre d'arguments auxquels je suis toujours confronté et que je relate, je fais de la pub très très vite pour le livre une deuxième fois, mais c'est parce que c'est le cœur du livre, c'est ce que les banques vous disent, et donc ce qu'elles me disent, ce qu'elles vous disent indirectement aussi, et tous les jours à travers les médias, et j'essaie de déconstruire ce discours parce qu'il repose finalement sur une dizaine, une quinzaine d'arguments qui reviennent systématiquement et qui, pour la plupart d'entre eux, sont faux, totalement exagérés. Et je vais vous donner un exemple de chantage du monde financier auquel nous, en tant que responsables politiques, auquel on est confrontés et qui est un chantage qui est très largement pipeau. On a négocié, c'était à l'été 2010, la directive qui encadre les rémunérations des traders, donc les fameux bonus dont tout le monde a entendu parler. Nous, au Parlement européen, on s'était battu et on avait obtenu la limitation à 50-50 du bonus par rapport au fixe. Donc si vous avez un fixe de 100 000 euros, qui est un tout petit fixe sur les salles de marché, vous avez un bonus qui est forcément limité à 100 000 euros. Sachant que la pratique aujourd'hui, hein, c'est 2 fois, 3 fois, 5 fois, jusqu'à 10 fois le fixe. Pourquoi se battre? Pourquoi en faire un combat? C'est parce que quand vous avez une rémunération variable qui est jusqu'à 10 fois votre fixe, votre niveau de vie, la Porsche que vous allez acheter, la 7e maison que vous allez acheter, etc., c'est le variable. Et donc ça vous incite à prendre énormément de risques. Parce que vous pouvez gagner un peu, c'est votre fixe, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup en prenant des risques grâce à la rémunération variable. Et donc limiter la capacité à gagner en variable, c'est limiter de fait l'incitation à prendre des risques de l'individu, trader, mais dans l'ensemble aussi du système. Et donc nous avions gagné cette règle de 50-50. Et puis on a négocié avec les États, et en face, les banques nous ont dit: Ah oui, mais 50-50, c'est impossible, vous vous rendez compte, tous les traders vont partir. Pas à Londres, hein, puisque ce sont des règles qui s'imposent sur l'ensemble de l'Union européenne, mais
partir à Singapour, on va partir à New York. Donc, chose assez simple, c'est de se dire d'abord, si un trader part à Singapour ou à New York, les clients, eux, restent. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il doit travailler la nuit. Est-ce que toutes les places boursières, même la Suisse n'est pas la bourse de Zurich, hein, c'est que dalle, hein. Genève, c'est très important pour la finance privée, mais en termes de bourse, la Suisse, c'est rien du tout. Donc toutes les bourses sont dans l'Union européenne. Donc pour une simple question bête de fuseau horaire, il y a très 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 peu de délocalisation de traders. Parce que ensuite, qui fasse du business sur des flux qui sont sur l'économie européenne, et cette économie européenne, elle est ouverte, il y a des jours et il y a des nuits, et donc si vous décalez, vous êtes obligé de travailler la nuit. Et même pour gagner beaucoup, ça n'intéresse pas les traders, parce que travailler la nuit, bah, du coup la Porsche qu'on peut sortir le soir, on est obligé de la mettre au garage parce qu'on va travailler, etc. Donc c'est pas comme ça que ça marche. Et puis il y a un autre argument dont je me suis, alors toujours l'argument des délocalisations, au même moment où on votait ce texte sur encadrer les bonus des traders, j'ai fait j'allais à Washington rencontrer les congressistes américains qui négociaient la loi américaine, qu'on appelle la loi Dodd-Frank, de réglementation de la finance, qui a été donc adoptée en juillet 2010. Et les congressistes américains, démocrates, disaient, c'est quand même incroyable, les banques européennes nous disdisent, si vous adoptez telle règle, les banques américaines, pardon, nous disent, si vous adoptez telle règle, on va, sur les produits dérivés ou sur d'autres sujets, on va partir à Londres. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas en même temps délocaliser de Londres à New York et puis relocaliser de New York à Londres et le mardi et le mercredi, etc. Donc, en fait, l'argument de la délocalisation, si on prend un tout petit peu de recul, il tient pas. Il tient pas pour des questions toutes bêtes de fuseau horaire, parce qu'on n'est pas dans l'industrie, la finance, c'est du service. Et il tient pas non plus parce que les règles sont parfois plus contraignantes aux États-Unis, parfois plus contraignantes en Europe, et donc tout bien pesé. Ça vaut pas le coup de partir, d'autant que l'attachement, enfin, on a bien vu, tu rappelais la façon dont les États ont dû sauver les banques. C'est évident que si vous partez, l'État dans lequel vous allez, qui n'est pas votre État d'origine, il en a beaucoup moins de choses à faire de vous que votre État d'origine. C'est sûr que le poids de BNP Paribas en France ou de la Société Générale ou du Crédit Agricole est infiniment plus élevé que ce qui pourra jamais être aux États-Unis ou à Singapour. Donc, tout ce travail de lobbying, ce travail politique, elle tendrait à le perdre si elle délocalisait massivement en dehors de l'Union européenne. Et donc, elle aurait une perte politique infiniment plus importante que le gain qu'elle pourrait éventuellement quand même réaliser. Donc, cet argument des délocalisations, sincèrement, on le sort toujours pour tous les sujets et il est quand même très largement exagéré. Et je vais rester sur ce sujet des bonus, qui n'est pas technique, donc que chacun peut comprendre. Pour vous montrer aussi le double discours de la France sur ce sujet. Dans cette discussion sur les bonus, donc je vous rappelle, hein, nous on vote majorité au Parlement 50-50. Et les États, eux, avaient voté, avaient pas voté, enfin, n'avaient pas mis de disposition qui était équivalente à celle que nous avions introduite au Parlement européen. Donc on négocie, on gagne certaines choses. Et on est obligé donc de céder sur d'autres, et on cède là-dessus. Et le compromis qu'on trouve entre rien du tout du côté des États à 50-50, c'est équilibré. Alors vous allez me dire, c'est quoi équilibré? Donc, du coup, on avait dit, OK, on se bat OK pour équilibrer, mais on veut une définition européenne de ce qu'est équilibré. Parce que sinon, les Anglais vont dire équilibré, c'est ça, les Français vont dire équilibré, c'est ça. Voilà. Et on a renvoyé ça aux organes soi-disant compétents, l'autorité bancaire européenne, qui ne s'est jamais mis d'accord sur ce qu'est équilibré. Et dans ce grand débat-là, la France a toujours pesé dans un sens de défense des banques et des traders, alors que vous aviez en même temps des grands discours de Sarkozy sur la moralisation du capitalisme, dont l'exemple le plus grand public était ces traders qui s'en mettent plein les fouilles, etc., pour pas dire plus, etc., etc. Eh bien, la réalité des positions de négociation de la France, c'était le contraire de ce que disait Sarko dans les estrades. Et parce qu'à un moment donné, à la fin de la négociation, il restait plus que